Bonjour, je vous présente Léopoldine. Nous allons faire un chignon sur des cheveux courts au carré, un chignon de danseuse, qui plus est avec une frange qu'on va enlever. Voilà. Le matériel, une brosse, de la laque, des élastiques, on choisira deux de la couleur de ses cheveux, des pinces plates et des pinces à chignon. On commence. Alors, on sépare en deux. D'abord, on va s'occuper de la frange. On va la texturiser avec la laque. La plaque en arrière. Avec des pinces, on les repositionnera les pinces en dernière. Là, c'est pour y voir clair. On fait deux demi-queues, une avec le haut. On lisse bien. On prend deux chouchous de la couleur de ses cheveux. D'accord. Ah, ça me casse. Voilà. Même chose avec ce qui reste en bas, un petit peu plus bas. Pendant ce temps, toi, Léopoldine, tu vas tenir celle-là avec la main droite. Très bien. On la monte près de l'autre, le plus haut possible. Bien centrée au milieu des oreilles. Lâcher. On fait une petite tresse là. Et on fera une petite tresse avec ce d'en bas. Vous voyez que si c'est plus court, le carré, on y arrive quand même. Auquel cas, on remet un chouchou ici. Une tresse en bas. On va tournicoter les deux tresses entre elles pour obtenir un chignon plat. S'il y a trop de petits cheveux, on peut mettre un filet transparent qui entoure le chignon. Voilà, on reprend la laque, tu fermes les yeux. Voilà. Là, on peut réduire l'arrêt au doigt, pour qu'on ne voie pas la différence entre les deux queues de cheval. Parfait. Voilà. Et puis après, on s'attaque avec des petites pinces à la frange. On tire, on tire, on tire. On récupère les pinces plates, ça. Et on recommence. Voilà. Là, et on peut les mettre dans le chignon. Ça, elles sont complètement invisibles.
Voilà.